Good morning, allez, Ida, je suis aujourd'hui le Nishmat, Janine Ruth, Bar Fortune, Mazal Fritna, Léa Chaya, Bat Mazal Tov, Lucienne Batreina, Claude Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Gitin, Perigbet, Mishnah Bet, Nirtav Bayom, Vanirtam Bayom, Balayla, Vanirtam Balayla, Balayla, Vanirtam Bayom, Kacher, Bayom, Vanirtam Balayla, Pasoul, Rabbi Shimon Omer, Marchir, Shah Rabbi Shimon Omer, Kola Gitin, Shenirtevu Bayom, Vanirtemu Balayla, Psoulin, on a une Mishnah qu'on va d'abord traduire. Vous allez très rapidement comprendre le principe, l'idée générale qui est vécue. Là, on l'expliquera un peu mieux. Nirtav bayom et nirtam bayom. On écrit un shtar, un get, en journée, et on le signe en journée. On est le matin à 8h du matin, on a rédigé le get. Finalement, on n'a pas fini de signer le contrat. On retrouve finalement, à 4h d'après-midi, on a les témoins qui réapparaissent. On les fait signer sur le contrat, sur le get. Il n'y a pas de problème, le get est validé. Balayla, Venirta Balayla, on a rédigé le get la nuit, et on le fait signer dans la même nuit, aucun problème aussi. Le get, il est caché. Ou encore, Balayla, Venirta Balayla, même mieux que ça. On l'écrit la nuit, on le fait signer le lendemain. On est à 5h d'après-midi, 6h d'après-midi, où il fait déjà nuit en ce moment. Et on va rédiger le get. Et puis finalement, on a les témoins qui vont le signer le lendemain à 4h30 l'après-midi, quand il fait encore jour. Le get est encore cachère, parce qu'il l'a signé à la date qu'il a écrit. Cachère. Par contre, si Bayom Vanirtam Balayla, si on l'a écrit en journée et qu'on l'a fait signer la nuit qui suit, et même s'il n'y a qu'une heure d'intervalle entre les deux, on l'a écrit à 4h30, on a fait signer les témoins à 5h30. Eh bien, figurez-vous que le contrat, il n'est pas saoul, il a été invalidé. Rabbi Shimon Marchir. Et sur ça, Rabbi Shimon, il dit non, c'est quand même bon. Shaya Rabbi Shimon, Omer, car Rabbi Shimon disait que Kol Agitin Shenechtevu Bayom Anechtemu Balayla, que tous les contrats qu'on écrit en journée et qu'on signe la nuit qui suit, ils sont soulignés, ils sont tous invalidés, Chutz Megitin Hashim, à l'exception des get des femmes. Et on commence à expliquer cette Mishnah en exprimant la première phrase de Rabbi Shimon, qui nous donne une généralité qui est admise de tout le monde. Que n'importe quel contrat, kolagitin, ça veut dire tous les contrats, c'est pas que les guettes d'une femme, tout contrat, ça s'appelle aussi un guette. Alors il me dit, Rabbi Shimon, kolagitin, tous les contrats, shenirtevu bayom, qu'on fait signer en journée, et qu'on signe la nuit, il est invalidé. Le problème, c'est que ça touche à tous les problèmes de shtarot. Vous comprenez bien que quand on écrit un shtar, c'est un papier qui est validé, qui s'y certifie qu'à telle date, il y a eu telle chose qui s'est produite. D'accord ? Et il y a une valeur dans les contrats, d'abord les contrats d'argent, les contrats d'emprunt d'argent, les contrats de transaction. C'est essentiel de savoir à quelle date exactement les choses ont été concrétisées. Parce qu'imaginez qu'en fait, vous voulez me prêter de l'argent, et vous avez peur que peut-être que je ne vais pas avoir de quoi vous payer. Donc pour pouvoir vous assurer que je vais pouvoir vous payer, vous allez voir que je possède une maison. Et comme ça, au pire, une fois qu'on va se battre et qu'on va... Vous finirez par récupérer votre argent, on vendra ma maison pour récupérer votre argent. C'est une donnée élémentaire, légitime, on ne prête pas d'argent sans savoir, sans être sûr qu'on va pouvoir se le faire rembourser. Ce qui se passe, c'est que, imaginez que maintenant je peux faire prédater un contrat. Donc moi, je vais venir vous voir, je vais dire, ouais, prête-moi 1 million, je dois marier mes enfants, oui, je dois... Hein? Et vous allez me prêter 1 million, vous allez vérifier, d'abord, on va s'intéresser, bon, j'ai une maison... Vous allez vérifier que j'ai effectivement une maison. Parfait. Et en fait, imaginez que demain, je vais finalement vendre ma maison à quelqu'un. Alors si je vendais la maison demain, ensuite, à quelqu'un, si un jour je ne paye pas, vous avez le droit de revenir réquisitionner la maison parce que vous avez eu un droit, vous avez engagé la maison à hypothéquer la maison. Ça hypothèque la maison, c'est... Un chiboud, vous avez un chiboud sur la maison pour pouvoir récupérer votre argent au cas où, et si la maison a été vendue après. Mais imaginez que quand je vais vendre ma maison demain, je vais prédater le contrat 2 jours avant. Donc en fait, on est par exemple en ce moment le 15 du mois, je vais emprunter de l'argent chez vous, et le 16 du mois, je vais vendre ma maison en écrivant qu'en fait la maison a été concrétisée, l'acte a été concrétisé depuis le 10 du mois. Donc en fait, quand vous m'apprêtez l'argent, il n'y avait pas de maison à hypothéquer, parce que ma maison, c'est déjà plus la mienne, selon ce qui est écrit dans le contrat. Concrètement, c'était pas du tout ce qui s'est passé, parce que j'ai vendu la maison que le 16. Vous comprenez la grande problématique de prédater un contrat. Ce qui se passe maintenant chez nous les Juifs,
le jour démarre la nuit et se finit dans la journée qui suit. Soit. Alors, dans ce cas-là, il ne faut surtout pas prédater un contrat. Si on écrit un contrat à une certaine date et qu'on le signe le lendemain, il s'avère que là, le contrat va être maintenant, va devenir actif et va prendre tout son pouvoir le jour qui suit avec une date qui était prédatée du jour d'avant. Tu as fait un contrat falsifié. D'accord? Parce que là, pendant cette même journée, on aurait pu faire les 400 coups, faire des tas de choses et faire fuir tout, donner à quelqu'un d'autre. C'est catastrophique de faire ça. Ouais, imaginez tout simplement, imaginez le cas. Je vous ai vendu ma maison aujourd'hui, 16 Shevat. Mais finalement, on a signé le contrat le 17 Shevat avec écrit 16 Shevat. Ça signifie qu'ensuite, le 17 Shevat, j'ai maintenant. Le 17 Shevat, je vais vous donner maintenant. Le contrat, il va devenir valide, avec, alors que l'acte d'acquisition a été signé le 17 Shevat, alors que concrètement, il y a écrit, la date depuis le 16 Shevat. Imaginez que maintenant, le 17 Shevat lui-même, je vais ensuite partir emprunter de l'argent vite à quelqu'un, et comme ça, après, je vais écrire un contrat que ma maison est hypothéquée depuis le 17 Shevat. Le jour où il va vouloir venir récupérer maintenant ce bien, vous allez lui sortir le papier, vous allez dire, moi, la maison n'a pas besoin depuis le 16 Shevat. Et en réalité, c'est pas vrai. Parce que, d'accord, vous avez compris le problème? Ça, c'est la problématique générale. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une date, on ne prédate pas un contrat. Et c'est la problématique de notre Mishnah. Avec, maintenant, on va parler des guettes de Nashim. Pour les guettes d'une femme, depuis quand j'ai divorcé la femme, alors on va se retrouver avec le même problème. Cette fois-ci, vous savez que la Mishnah elle exprime ça en Shemaï Rappel Batachoto. C'était fréquent à l'époque qu'un homme se marie avec sa nièce, la fille de son frère. En théorie, c'est le même idos, c'est la même famille, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Imaginez que maintenant, cette nièce-là, elle a eu un écart avec un étranger. Elle est passible de mort. Elle a fait un adultère. C'est très grave. Maintenant, après tout, ça reste ma nièce. Je suis fâché contre elle, elle m'a trompé, elle m'a fait... Quand même, je ne vais pas la faire tuer, la petite, la pauvre, la nièce. Peut-être que je vais avoir un petit peu de grâce. Et je dirais, viens, on va vite partir. Quelque part, je vais t'écrire un contrat que je t'ai divorcé, mais on va le prédater de 2 semaines avant. Comme ça, quand on va t'amener au bed-in pour te dire « Madame, tu as trompé ton mari », eh ben toi tu vas dire « Je n'ai pas trompé mon mari, j'étais déjà divorcé, j'étais une femme libre ». Donc pour ne pas arriver, Rachamim ont instauré qu'il faut aussi écrire la date dans les shtarot. Et maintenant, puisqu'on doit écrire la date dans les shtarot, ça fonctionne comme toutes les règles, il faut l'écrire avec la date exacte du jour même. Tout simplement. D'accord ? Et dans ce cas-là, si tu l'as écrit en journée et tu le signes la nuit, le get il devient validé la nuit. Et puisqu'il va être validé la nuit qui suit, alors ça s'appelle que tu as fait un contrat prédaté, et c'est interdit, et c'est complètement validé. Rachamim ont instauré qu'on écrit la date exacte, et le get il est invalidé. Ok ? Ça, c'est le vitra Rachamim. Rabbi Shimon, lui, il a une autre approche sur les get, et il nous dit que pour les get des femmes spécialement, c'est pas grave. Parce qu'en fait, en réalité, d'après Rabbi Shimon, le problème dans le get d'une femme qui faut que c'est interdit de le prédater, c'est pas par crainte qu'une femme, il va se mettre avec sa nièce, elle va le tromper, et puis elle va ensuite chercher à ce qu'on fasse un guet rétroactif. Non. Ça, c'est quelque chose de pas fréquent. C'est pas pour ça qu'on a instauré d'écrire la date. On a instauré d'écrire la date pour une toute autre raison. Moi, je suis marié à une femme de très riche, qui a énormément de biens, elle a tout, c'est elle qui dirige tout. D'accord? Tant qu'elle est mariée avec moi, tous ces biens qu'elle a, c'est moi qui les exploite. Je les détruis pas, je les maintiens, mais si elle a des maisons qu'on loue, c'est moi qui récupère l'argent, des contrats à faire, des bails à faire, tout ça, c'est moi qui gère tout. C'est à moi. Enfin, c'est moi qui concrètement exploite. Depuis le moment où je divorce ma femme, on va parler de manière un peu générale, depuis le moment où je divorce ma femme, alors, c'est fini, c'est plus ma femme, c'est bien, redevient ses biens, et j'ai plus le droit de vendre ses maisons. Rachamim ont eu peur, ont instauré d'écrire le guet à cause d'une situation un peu délicate, qu'on va avoir peur que le mari il va finir par divorcer sa femme, mais que s'il n'écrit pas de date sur le guetim, il va avoir que sa femme, vous savez, la pauvre, elle est devenue un peu dépressive depuis qu'elle a divorcé, elle va partir en vacances pendant 3 semaines à je sais pas où, et lui, le mari, pendant ce temps, il va se dire, bon, écoute, pour le moment, je continue à louer les maisons, à récupérer l'argent. La femme, elle revient, elle nous dit, t'as pas honte, déjà tu me divorces, en plus ça, tu m'as un peu volé mon argent. Il va dire, je t'ai divorcé, je viens de te divorcer.
Sur son guet, elle dit, tu m'as divorcé, il n'y a pas écrit de date. Ils disent, non, je te l'ai donné avant-hier. Donc pendant les 3 semaines, c'était à moi. Tout l'argent des routes, des locations et tout ça, c'est moi qui dois l'encaisser, c'était encore ma femme. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'écrire la date dans les guettines selon Rabbi Shimon, de peur qu'il va voler les fruits, c'est-à-dire l'exploitation des biens de la femme, et il va se les accaparer injustement. Alors, de ce fait, Rabbi Shimon il va me dire, sache que par contre, si tu écris un contrat le 16 Adar et tu le signes le 17 Adar, on n'a aucun problème dans la validité d'un tel contrat. Dans ce cas-là, figure-toi que tu pourras toujours prédater autant que tu veux un guet. Parce que ce sera toujours, ça te portera préjudice tout simplement. Parce que concrètement, depuis le moment où tu as déjà voulu divorcer ta femme, tu arrêtes d'exploiter ses biens. Dans ce cas-là, je sors, j'écris aujourd'hui 16 Jevat un guet à ma femme que j'ai divorcé en fait depuis le 6 Jevat, ça fait déjà 10 jours. C'est qui perd dans l'histoire? C'est moi. C'est moi le mari. Que maintenant, si toutefois j'ai loué des maisons pendant les 10 jours, à cause du guet que j'ai prédaté, la femme elle va me dire, allez, rends-moi mon argent, on va te prouver que le contrat, un tel, tu l'as signé le 12 Jevat, le 14 Jevat, elle va me dire, récupère, rends-moi mon argent, tu m'as volé. Selon ce principe, puisque Rami m'a instauré la date pour bloquer le mari, si le mari, de son gré, il va faire un contrat prédaté, c'est son problème à lui, le guet n'est pas invalidé. Et de ce fait, Rabbi Shimon va me dire, donc bon, dans tous les autres shtarot, un contrat prédaté est invalidé, à l'exception des guettes de Gittin. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Sela.